Oh, les souris, venez! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il va y avoir un ouragan, venez avec nous! Venez en haut avec nous! On va venir! Oh, un ouragan! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un ouragan! Nous devons mettre notre trésor à l'abri! Vite, dépêchons-nous! Ah bah tu viens! Voilà, voilà, j'arrive! Je l'ai! Regarde! Il faut tous les attraper! Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous, ils ramassent nos cocons. Je me demande bien pourquoi. Ça y est, nous allons être riches. Ouais, il faudra les cacher quelque part. Je me demande où on va les cacher. Est-ce que ça va? C'est la cachette idéale, regarde. Eh ben, on va les voir. Et on les enterre. C'est une bonne idée. Ouais. Attention. Comme ça, on les retrouvera. C'est une bonne cachette. Toi et moi, nous allons être riches. Mais silence. Sinon, clic. Un secret est un secret. Allons-nous-en. Attends-moi. Je vais te rattraper, toi. Quelqu'un s'est fait mal? Oh, ce n'est que vous! Oui, désolé de te décevoir. Vous pouvez m'aider à monter? Oui, on va te lancer une corde. Accroche-toi bien. Qu'est-ce qui fait entre nous? Tu devrais faire un régime, mon vieux. Et si vous êtes à l'abri? Ça va être terrible. Tout sera inondé. C'est une catastrophe. Que tout le monde se mette à l'abri. Il va y avoir une inondation. Oh, t'as entendu? Oui. Il faut se mettre à l'abri. Viens. Vous mettre à l'abri dans la tanière, il va pleuvoir. Simba! Bimbo! Boon! Ah! Ha ha ha!
Heureusement que je l'ai vu. Il n'aurait pas pu rentrer à temps. Je me demande où sont Simba et Bimbo. Ne t'en fais pas, ils se sont sûrement déjà abrités. Oui, tu as sans doute raison. Rentre. Allez, Boule. Je te remercie d'avoir ramené celui-là. Je vais rester dans les parages. Appelle si tu as besoin de moi. Merci, Bagheera. Odnalro. Hein? Qui est-ce qui m'appelle? Odnalro. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Ah, que veux-tu, Bagheera? J'ai fait un tour pour prévenir tout le monde du danger. C'est bien, mais tu devrais y retourner pour voir si personne n'a besoin d'aide. Y retourner avec ce temps, hein? D'accord, mais quand la pluie aura cessé? Les écureuils. Oh, Bagheera, que puis-je faire pour toi? Je viens voir si vous êtes prête à accueillir d'éventuels animaux blessés. Oui, nous avons suffisamment de médicaments. Où sont les souris? Ici, avec nous. Je me demande où mène ce trou. Mais où sont-ils? Je m'inquiète pour eux. Tiens bon! Tiens bon! La branche va s'être accrochée! Nous allons être emportés par le courant. Accroche-toi. J'ai peur. Tout va s'arranger. J'arrive. Il va nous sauver. Montez. Viens, Bimbo. Simba, Bimbo. Ils l'ont échappé belle.
Merci, Crocodile. Merci de nous avoir sauvés. Simba. Merlon. Simba. Appelez-moi si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Oh, merci. Je viendrai aussitôt. Merci. Je vais voir ailleurs si on a besoin de mon aide. Au revoir. Ah. Au revoir et merci, Otlan. Tu viens t'abriter? Tu as raison, ici, tu ne crains rien. J'ai déjà vu de nombreux ouragans dans ma vie. Ah oui? Oui, certains étaient bien plus violents que celui-ci, mais maintenant, mes racines sont profondes, je ne crains plus rien. J'aime pas l'eau. Tu as tort, nous avons tous besoin d'eau, toi y compris. L'eau est un don du ciel, sans l'eau, il n'y aurait pas de vie. Hélas, il arrive que cette eau dévaste tout sur son passage, tu comprends? Oui, je comprends. Tu vois, le vent chasse les nuages, la pluie est moins forte. Je crois que c'est la fin de l'ouragan. Mais la rivière a débordé de son lit. Le courant est très fort. Et beaucoup d'animaux vont périr dans les flots. C'est la loi de la nature. Seuls les plus forts résisteront à cet ouragan. Je déteste la pluie. Maître, aidez-moi! Permettez-moi de rester avec vous. D'accord, tu peux rester ici si tu apportes à manger. Il y a des cadavres dans l'eau, mais le courant est trop fort, je n'ai rien pu attraper. Je suis désolé, maître, je suis un incapable, mais je vous en prie, laissez-moi m'abriter dans votre grotte. Très bien, tu peux te réfugier dans ma tanière, mais tu me dois un repas. Merci, maître. Quel goût ça a, la hyène? La tempête risque de durer plusieurs jours. Heureusement, nous avons assez de nourriture, mais nous devons nous rationner. Merlou, quand l'ouragan aura cessé, j'irai chasser quelque chose. D'accord. Le lapin... Oh non, j'avais complètement oublié. Vite! Simba, mais où vas-tu? Tu ne peux pas sortir. C'est beaucoup trop dangereux. Mais lapin... Il est hors de question que tu sortes par ce temps. Mais si le lapin se noie, je n'aurai plus rien à chasser. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'il est à l'abri. Ça se calme un peu, on dirait. Oui, la pluie est moins forte. Et avec le trésor? De quoi parlez-vous? Rien en particulier, quoi de neuf? Tout est inondé, l'eau emporte tout sur son passage. C'est une catastrophe. C'est parfait. Ça y est, la pluie s'est arrêtée. C'est la fin de l'ouragan, ce n'est pas trop tôt. Regardez, le soleil. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il va bien. Je dois le retrouver. Simba est encore trop jeune pour être patient. Oh, ça y est, le soleil est enfin de retour. Allons aider les blessés. XL, viens. Oui. Ben, tu viens. Soyons discrets, nous ne devons pas éveiller l'attention. Oui, tu as raison.
C'est quelque part par ici. Mais où est ce bâton? Mais où il est? Il est là! Nous avons retrouvé notre trésor! Ouais! Nous allons enfin être riches! Je me souviens pas l'avoir enterré aussi profondément! Tais-toi, creuse! Bon, la gibe, comment vas-tu? Ah, merci, et vous? Bon, ça va, bon, ça va. C'est de pour la visite. Et arrête! Je peux savoir pourquoi vous creusez tous les deux? Eh ben, on creuse parce que c'est là qu'on a enterré notre trésor. Il raconte n'importe quoi. Imbécile, maintenant il est au courant. Et je suis désolée. Il va sûrement prévenir les autres. Eh ben alors, dépêchons-nous. Tu as raison, on travaille. Il y a quelque chose? Il n'y a rien. Oh, notre trésor. Vous cherchez les cocons que vous avez enterrés? On voulait les mettre à l'abri. Et pour vous rendre service. Ce n'était pas la peine. De toute façon, ils ont été emportés par nous. Oh, c'est pas vrai. Si, si. Au revoir. Oh non, notre trésor a été emporté. Tout ça, c'est pas pour rien. J'y suis, j'y reste. Sors de là. Jamais. Je ne suis quand même pas aussi bête. Je finirai bien par t'avoir. Reste dans ton trou, sale lapin. Ça va, il s'est pas noyé, c'est le principal. T'en fais pas, la prochaine fois ce sera la bonne. Peut-être, mais en attendant, on n'a toujours pas de trésor. Tu vois, finalement, on a eu de la chance. Eh oui, nous sommes entiers. Oleg, j'ai vu d'autres animaux blessés près de la rivière. On va y aller. Vous ne pourrez pas les transporter, ils sont trop lourds. Nous allons les soigner sur place. Je vais voir s'il y en a d'autres. Heureusement que le crocodile était là, il nous a sauvés. Oui, sans lui, que serait-il arrivé? Oh, n'y pensons plus, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Mais toi aussi, Simba, tu m'as sauvé la vie. Merci. On fait la course. Venez. Salut les amis. Vous venez de voir comment nos jeunes amis ont affronté leur premier ouragan. Ils devront apprendre à se défendre contre d'autres dangers. Il y en a beaucoup dans la jungle, mais la jungle réserve aussi d'agréables surprises. C'est ce que nous découvrirons bientôt. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la...
on se surprend, on se fait peur, on sourit. On fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort. Quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie. Elle est notre mère, c'est une autre maman. Arbor est notre papa. Simba et Pimo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.